À l'heure du numérique où certains enregistrent toutes nos données, celles-ci sont dévoilées et s'affichent sur nos moteurs de recherche. Où en sont nos vies et nos valeurs, où notre quotidien défile sous le nez de certaines personnes. Les gens ont accès à toutes nos données, faut-il crypter, hors décrypter, les ouvrages, les messages passent par les ports de l'IP. Il nous reste un monde meilleur, un monde où les enfants connaissent les grands. Les enfants naissent dans ces énergies, forcément ils nous comprennent, bien souvent nous apprennent la source et la durée dans la joie et la gaieté. Internet, pas forcément net, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Des informations affichées, des neurones effacés. Les données ont un coût, tout a un prix, le prix de l'inégalable, de l'incommensurable. Les infos ont un prix, les nymphos trouvent leur tri. Parmi les sites de rencontres, tu fais acte de présence. Quand les gens veulent t'avoir, ils tapent ton nom sur les réseaux sociaux. Quand ils veulent t'oublier, ils te bloquent et tu es vite oublié. Juste une vie qui en découle, un patron est sous nos ailes, des clients au meilleur rang renseignés par les métiers. Car l'apprentissage nous éduque, nous sommes des élèves par milliers. Apprenons l'un de l'autre, renforçons notre savoir. En découle la connaissance, théorie ou pratique. Internet, t'as la technique. Technologiste, alchimiste, la soisange d'or change de chemin. Elles sont faites par des mains où demain est un autre monde qui nous appelle à l'illusion. Un monde différent du passé où le présent est éternel et n'a pour sens que le bonheur partagé. Nos chemins deviennent des passerelles lors d'une réalité qui augmente au virtuel. Traitement de données ou traitement de texte, nous sommes soumises à ce que nous écrivons sur le clavier de l'ordinateur qui est même docteur et qui a du cœur pour la lame sœur que j'aime ce bonheur. Mon frère, ma sœur, tout à l'heure ou dans un quart d'heure, j'espère recevoir dans ma boîte aux lettres ou à ma fenêtre mes achats sur internet. Il y a des espions, il y a des sniffeurs. Comment organiser la surveillance d'un monde abstrait ou insoumis? D'un monde où la parole se fait insoumise. Au jeu du casino tu mises et au loto tu espères gagner. Et si on lâchait prise car a toujours espéré, on ne vit que dans un rêve. Jurer la loi de la réalité, nous travaillons tous pour un meilleur avenir. Nos ancêtres se demandent même ce que nous allons devenir. Il y a des outils pour tous les goûts, il y a des magouilles à bout de souffle. Les hackers piratent les codes et les clés web sont dévoilées. Tu sais pas, t'as un modèle, t'as des tutos et ça c'est beau. L'état fait rage, le système est sous vidéosurveillance. Babylone passe à l'extrême, les fantômes s'arrêtent sur scène. Quand certains un jour réflexe, leur intuition s'allie à la raison. Je suis pour un système où les banques et assurances versent des frais à leurs clients. Je suis pour une anarchie positive, pour un monde meilleur. On vit dans plusieurs dimensions, un monde où les névrosés vont s'aimer et les plus durs s'amadouer. Reste cette liberté à savourer dans la tranquillité de ce qui est. Faire de nos vies non pas un dîner mais ce que d'autres dans le passé ont essayé. C'est-à-dire pas forcément de vouloir à tout prix remporter, mais bien de vivre dans ce monde en harmonie avec ce qui dure depuis longtemps, l'amour et la nature qui font de nous des êtres vivants.